Yo les gens, c'est Diabolo Orange 35, j'espère que vous allez bien. Je viens d'allumer ma caméra parce qu'il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre dans la rivière juste derrière chez nous. En effet, d'habitude, voilà, il y a des poissons un petit peu classiques. D'habitude, il y a des carpes et des truites et plein d'autres petits poissons. Mais là, aujourd'hui, ce sont quelques piranhas qui sont venus s'inviter. Oui, 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 vous avez bien entendu, des piranhas. Et en plus, ils sont extrêmement vénères, vous allez voir, ils font vraiment peur et en plus, ils sont méga gros. On va directement aller les voir. D'ailleurs, pour cette petite vidéo, je suis accompagné du lieutenant Christian, de Angelo, de Caris et de Booba. Donc voilà, une très belle équipe aujourd'hui. Donc pour l'instant, voilà, les piranhas, c'est pas trop gênant, on va tout de suite aller les voir. Tiens, juste avant, regardez, j'ai le marteau de Bob le bricoleur. Effectivement, voilà, je l'ai pris aujourd'hui, je vous l'avais promis. On va l'essayer. On va essayer de simplement son pouvoir. Pour l'instant, même moi, je sais même pas ce qu'il fait. Du coup, ça va être vraiment très stylé. D'ailleurs, si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche notification. Si tu le fais pas, je vais pêcher les piranhas et les envoyer par la poste. Oui, 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 je suis clairement en train de vous menacer les abonnés. Non, je rigole, en vrai, t'es pas obligé de t'abonner, mais voilà, si tu le fais, ça me ferait super plaisir. En plus, on approche du million d'abonnés, du coup, c'est vraiment incroyable. Tu peux aussi lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo si tu veux voir plus souvent des piranhas dans mes vidéos. Puisqu'à 10 000 pouces bleus dans cette vidéo, on refera une nouvelle vidéo où on ira chercher des piranhas, voilà, dans différents endroits du monde. Voilà, histoire de retrouver des piranhas. Du coup, déjà, on va essayer ce marteau. Let's go, let's go. On va s'éloigner un petit peu parce que je sais pas exactement ce qu'il peut faire ce marteau. Tiens, on va se mettre juste ici, voilà. Ok, ok. Donc là, vous êtes prêts ou quoi à ce que j'utilise le marteau du coup épique de marteau de Bob le bricoleur? C'est un marteau, les abonnés, tout simplement, que nous avons gagné dans le paradis. Lorsque je suis mort et que j'ai été au paradis, eh bien, il fallait que je réussisse un petit truc. Voilà, il fallait que je retrouve. Je sais plus c'était quoi exactement. C'était quoi déjà qu'il fallait que je retrouve? Les clés de ces toilettes. Ouais, c'était ça. C'était pas les clés de ces toilettes, mais c'était des clés. Bref, du coup, je devais retrouver un truc pour Dieu et en échange, il me fournissait, bah, tout simplement, il me faisait un cadeau. J'avais le choix entre 4 objets et j'ai choisi le marteau de Bob le bricoleur, qui est un objet légendaire. Et du coup, on va l'essayer tout de suite. Alors, attention, petit coup de marteau. Wow. 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 Attends, mais c'est. Wow. Attends, mais c'est. C'est retourné. What? Attends, mais ça retourne. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, j'ai l'impression que ça met un coup et ça fait une sorte de gravité. Regardez, tous les blocs, ils sont attirés vers le sol. Tous les coups sur les tous les blocs, genre qui. Tu veux que je tape où? Sur ta tête. Genre, je sais pas, mettez des blocs, tiens, mettez des blocs, genre alignez-les un petit peu en hauteur, genre vous en faites plein de blocs en hauteur. Vas-y, vas-y, c'est bien. Nice. Ok, ok. Non, mais qu'est-ce que t'es en train. Non, mais ok. On regarde pas ce qu'est en train de faire Caris. Quel gamin. Ok, alors là, du coup, t'as fait juste une tour de blocs. Parce que là, du coup, ils sont. Oui. Ouais, bah la tour de blocs, ça va pas faire grand chose, hein. Vous avez pas trop compris ce que je voulais que je fasse. Faut mettre des blocs en hauteur, des blocs en hauteur. Regardez, le lieutenant Christian, il a compris, lui. Le lieutenant Christian, il a fait une barre de blocs comme il faut. Les autres, vous avez pas compris grand chose. Ok, attends, alors. Ok, bon, je vais le faire. Je vais faire attention. Ici, allez, regardez, en fait, si les blocs qui sont en hauteur, et bien ça les fait descendre. Là, par exemple, si je le fais genre ici, ouais, ça fait du coup descendre les blocs. Bon, voilà, ça change un peu la gravité. C'est un marteau de gravité à moitié. Bon, vous m'enlevez tout ça là, et on va aller voir les piranhas. On va aller voir simplement ce pourquoi, les abonnés, vous avez cliqué sur cette vidéo. D'ailleurs, c'est plutôt inquiétant parce qu'on se demande, bah, quand est-ce qu'ils vont partir. Et ça se trouve, voilà, pour l'instant, il n'y a que quelques-uns. Peut-être que dans quelques jours, il y en aura encore beaucoup plus. Du coup, c'est vraiment inquiétant. On arrive à la rivière, du coup, let's go. On va voir, je attends, pense que. Regardez, regardez, regardez. Il y en a. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pris des cannes à pêche? Vas-y, vas-y, montrez-moi. Montrez-moi. Attendez, parce qu'il y a les piranhas qui sont juste là. Ouais, vas-y, montrez-moi vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ouais, vas-y, montrez-moi. What the fuck? Ok, ok, attendez, moi je commence à avoir un petit peu faim. Je vais manger un petit steak. Regardez du coup les piranhas, les abonnés. Bon, c'était pas super stylé, hein. Je sais pas ce qu'en ont pensé les abonnés, mais c'était pas super impressionnant. Bref, regardez, il y en a un juste ici, un piranha. Regardez comme ils sont gros et effrayants. Regardez, aïe, non, 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 non. Attention, attention, attention. Voilà, regardez, il est sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau, faites attention, hein. Ok, ok, ouais, c'est assez effrayant. Ouais, non, non, ne sortez pas de l'eau. Mais qu'est-ce que vous faites? Ok, il est bon. Pas sorti, il est sorti. Ok, il est rentré. Faites attention, faites attention. Oh, attention. Oula, oula, oula. Booba, il se fait choper. Donc vous avez vu, il y a des piranhas. Ils ont rien à faire ici. Du coup, voilà, il n'y a plus que les. Ah, il m'attaque. Oh là 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 là. Ok, ok. Eh, mais ils sont vraiment effrayants, hein. C'est hardcore, hein. J'espère juste qu'il n'y aura pas plus, genre demain, parce que sinon c'est assez gênant. Regardez, regardez, il y en a deux ici, là. Il y en a même trois. Mais il y en a vraiment beaucoup. Ah, ils ont sauté sur moi. Ah, regardez, en plus ils sortent de l'eau et après ils sautent sur le bord de l'eau. Ah, mais c'est hardcore de ouf, hein. Oh là là, non, mais là il y en a plein, il y en a plein. Arrêtez de les pêcher. Arrêtez de les remettre sur la berge. J'ai peut-être une idée, Diabolo. Vas-y, vas-y, c'est quoi ton idée? Ouais, non, 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 pas de grenade, pas de grenade. Booba, Booba, Booba. Non, je suis tombé dedans. Je suis tombé dans l'eau. Aïe, 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 aïe. Oh là là, attention, attention, attention. Ok, je mange. Diabolo, j'ai une autre idée. Non, 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 stop avec tes idées, Angelo. Ah, mais qu'est-ce que. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Non, non, stop, 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 le bazooka. Non, range-moi ça. On va pas démolir la rivière. Bon, du coup, les abonnés, vous avez vu les piranhas. Donc voilà, c'est un petit peu effrayant.
Le truc c'est que pour l'instant ça va parce qu'on n'a pas énormément. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment ça va évoluer. Mais du coup ce qu'on va faire tout de suite, eh bien c'est qu'on va faire notre petite journée, etc. Et s'il y a une augmentation du taux de piranha dans la rivière, eh bien je vous en ferai part et je rallumerai ma caméra. Pour l'instant, tranquille, il se passe pas grand chose. Il y a quelques piranhas, mais ça reste gérable. C'est juste un peu relou, on peut pas se baigner dans la rivière. Mais voilà. Du coup voilà les abonnés, on se retrouve eh bien dès lors que bah, simplement il y a plus de piranhas dans la rivière et que ça commence à devenir inquiétant. Les abonnés, il commence à faire nuit et pour l'instant on n'a pas constaté voilà réellement une augmentation du taux de piranha. Du coup on va aller se coucher. On va aller se coucher puisque simplement on avait vu des piranhas après la nuit la dernière fois. Du coup bah là on va aller se coucher tranquillement et demain on verra s'il y a plus de piranhas ou non. Je l'espère pas en tout cas, mais on verra ça demain. Non mais alors Caris, je sais pas c'est lequel de vous deux mais faut vraiment arrêter hein. Bon allez, moi je vais me coucher les abonnés et on se retrouve demain matin. Ah, je me réveille de ma nuit. Voilà, donc let's go, j'ai rallumé direct la caméra et on va aller voir simplement la rivière. J'entends encore des TNT en train de se poser. C'est nymphe. Hey, stop là. Stop, c'est fini. C'est bon. Voilà, let's go. Alors, ok, le lieutenant Christian, il est déjà là. Lui, il est au taquet. Ouais, ouais, salut. T'étais allé voir la rivière ou pas encore? Ouais, toute la nuit, j'ai entendu des bruits très étranges. Hein, ah ouais? Wow, ok. Bon, on va aller voir ça tout simplement. Les abonnés, Angelo, je sais pas où est-ce qu'il est. Mais on va le réveiller après. Let's go voir la rivière. Attention, attention. What the Wow. Alors là par contre vous baignez surtout pas. Non vous baignez surtout pas parce que là, est-ce que si on balance une poule, genre est-ce que la poule si on la met dans l'eau, oh regardez, oh là là. Bon bah Booba il est mort. Wouah, attends c'est sûr. Aïe, attendez, je veux juste balancer une poule. Regardez, attendez, est-ce que la poule elle se fait chasser? Non elle se fait pas chasser hein, c'est nous hein. Ok ok, par contre regardez, quand je vais sur le bord de l'eau, regardez comment ils sautent tous. Ah, oh là 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 là. Attention, eh, mais ça fait mal hein. Stop. Ok, non mais là par contre c'est vraiment hardcore, il y en a beaucoup trop hein. Ok, pour l'instant ça va, le problème c'est qu'ils sautent en dehors. Non mais regardez tout ce qu'il y a. Regardez-moi tous ces piranhas, regardez je me mets au bord. Ils essaient tous de sauter pour essayer de me choper. C'est vraiment hardcore, non mais waouh. Non mais, oh là 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 là. Et là faut vraiment pas que je tombe sinon je suis mort instant hein. Non mais là vraiment regarde, c'est hardcore de ouf hein. Et attendez, vu qu'ils sautent en dehors de l'eau, j'aimerais bien voir s'il y en a pas qui ont réussi à choper et enfin à sauter et arriver dans le petit lac qui est non loin d'ici. Alors là du coup il y en a beaucoup moins par là. Ok, mais regardez ils sont tous en train de me suivre. Wouah, non mais c'est vraiment hard de fou hein. Bon let's go, on va aller voir du coup pas loin d'ici, il y a un petit lac, enfin une petite lac, c'est une mare hein, clairement. Mais j'aimerais bien voir si la mare a été infestée, enfin en fait oula je galère à parler, du coup c'est infesté. Voilà ça a été infesté tout simplement. Donc wouah, mais carrément. Voilà c'est chaud. Oh attention. Ok attention. Attention Caris, attention. Oh là 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 là, attention, il va mourir. Oh, oh là là, mais c'est tellement effrayant. Ils sont gentils en vrai. Ouais, ils sont gentils. Ouais, ils ont pas l'air très gentils. Hein. Oh, mais du coup, ce qui est super inquiétant, les abonnés, c'est que simplement ils peuvent arriver du coup dans la piscine de notre maison en fait. C'est ça le truc en fait. C'est qu'ils peuvent arriver. T'as perdu un bras? Oui. Bon, va falloir récupérer. Comme pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo d'ailleurs, en fait, Caris et Booba, les deux petits doudous là, les deux petits ours, ce sont les deux seuls qui sont immortels parmi nous. C'est-à-dire que si moi je meurs, je vais pas revivre comme eux, mais ils sont immortels. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de revivre instantanément. C'est un truc chez eux, c'est leur particularité. Du coup, voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas de piranhas dans la piscine. Mais le truc, c'est que j'espère pas me réveiller en fait demain matin et qu'on se retrouve avec plein de piranhas dans la rivière, dans la piscine, dans la mare derrière chez nous. Parce que là, ça va devenir vraiment compliqué. Parce que là, vraiment, c'est vraiment, on se fait envahir de piranhas. En tout cas, vous avez vu, les piranhas, ils sont vraiment très effrayants. Ouais, c'est assez hard. Bon, du coup, ce que je vous propose, les abonnés, c'est que pour l'instant, on en reste sur cette situation là. On va voir si ça évolue, si demain il y en a un peu moins. Et puis voilà, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous épargne encore le moment où je vais me coucher, etc. Je vous reprends juste au cas où, si jamais dans la journée, là, il y en a encore plus ou qu'ils arrivent à atteindre la piscine. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que on se retrouve directement demain matin lorsque je me lève pour voir si simplement des piranhas vont sortir de la piscine, enfin, vont arriver dans la piscine. On verra tout ça. Du coup, les abonnés, à demain matin pour voir si les piranhas seront encore plus nombreux et auront atteint la piscine. C'est le matin, du coup, let's go. On est le lendemain et là j'espère. Oh, ok Angelo, je m'attendais pas à te voir comme ça. Ouais, pourrais être en maillot de bain comme ça. Je voulais me baigner mais. Ah, tu voulais piquer une petite tête. Ah, c'est quoi, les piranhas ont réussi à atteindre la piscine? Il s'est passé quoi? Il y en a beaucoup. Attendez, mais c'est quoi? Wouah, mais c'est quoi ce délire? Oh là 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 là. Wouah, ok, ils sortent carrément. Wouah, ok, ils sont en train de sortir. Non mais là vraiment c'est, oui c'est horrible. Attention. Wouah, tout ce qui est en train de sortir. Wouah, mais c'est quoi ce délire? Ah là on va falloir trouver une solution hein. Le temps Christian, sors nous l'arsenal. Voilà, sors nous toutes les armes que t'as.
toutes les armes dont tu disposes. Vas-y, viens. Allez, parti, mais ils sont en train de sortir, mais ils vont carrément rentrer dans la baraque là, à ce rythme là. Ok. Wouah, mais c'est hardcore. Pourquoi ils t'attaquent plus, toi, Booba? Parce que je suis trop fort. Wouah, regardez, quand ils arrivent. Oh là 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 là, mais c'est hardcore. Wouah, mais regardez. Wouah, ils sautent, attention. Okay, Il y en a dans la baraque, regardez. Wouah, ok, c'est énorme. Ok, attendez, lieutenant Christian Angelo, allez nous chercher des armes. Plus besoin. Ok, ouais, ils ont fait le gros ménage dans la piscine. Ok, bon, ça va. Il y en a encore ici, ok, vous faites le ménage, ok. Mais le temps Christian et simplement Angelo, allez nous chercher des armes pour nous, comme ça on va faire le ménage dans la rivière. On y va. Vas-y, c'est parti, ils sont partis chercher. Go. Du coup les abonnés, on cherche une solution pour les faire fuir, mais j'ai l'impression que la meilleure solution, c'est celle que viennent d'utiliser Angelo et le temps Christian. On va aller voir la rivière parce que si simplement la piscine est autant infestée de piranhas, ça veut dire que la rivière ça va vraiment être un truc hardcore. Du coup ce qu'il va falloir faire c'est vraiment mitrailler dans le tas, on va attendre simplement que le lieutenant Christian et Angelo arrivent. On va peut-être même balancer une grenade, ça pourrait être stylé. Une grenade dans la rivière. Oui, on fait des enfants. Regarde. Oula, regarde. Attention. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi les œufs que t'as, hein? Wow. Mais attends, mais c'est carrément. Ah ouais, mais c'est des œufs. Wow. Stop. Et c'est quoi ton épée là, Carrie? C'est ton épée de Super Saiyan ou quoi? Wow, hardcore. Bon, du coup, on attend que Angelo et le lieutenant Christian arrivent pour nous filer des armes. Et on va aller voir la rivière simplement. Je pense que la rivière, ça doit être une dinguerie. Hein. Hardcore de ouf. Le lieutenant Christian et Angelo sont de retour. Ouais, du coup, vous avez de quoi? Vous avez des grenades et tout, genre tout ce qu'il faut. Et stop, c'est qui tire comme un dératé là? Ok, c'est Booba. Vas-y, bah moi j'en veux bien. Allez, on les défonce. Ok, la sulfateuse, ok, nice. Des grenades, ok, là on a tout ce qu'il faut. C'est parti pour bombarder les piranhas. Wouah, j'espère les abonnés que ça vous casse pas trop les oreilles. Ok, donc là la piscine c'est réglé. On va aller voir vite fait. Tiens, je vais aller vérifier quand même vite fait s'il y en a pas. Que... Non, bon, non, stop. Vous allez me buter, les mecs. Stop, qui c'est qui me tire dessus là? Il y en avait qui tiraient pas vraiment sur les piranhas là. C'est lui là, le mec tout nu. Bon, est-ce que. Non, je suis pas le mec tout nu, je suis Angelo. Il y en a qui est du coup. Est-ce que quelqu'un a du steak? Parce que là j'ai vraiment faim. Quelqu'un a de la nourriture pour moi? Oui. Vas-y, je veux bien. Parce que là j'ai vraiment faim. Ok, merci. Et lui, un jour, il va falloir faire une vidéo, les abonnés. On va faire ça à 15 000 pouces bleus. On ira voir les poches de Caris. Voilà, on diminuera de taille et on ira voir les poches de Caris. Oh, il y en a au toboggan, ok. On va les bombarder. Ok, nice. On les bombarde. Allez, okay. Il y en a beaucoup de toboggans. Ah oui, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Le problème là, c'est qu'il faut aller dans l'eau du coup. Hein. Pourquoi? Attends, j'y vais. Aïe. Ok, je me suis pris. Okay. Aïe, Ok, je leur tire dessus. Mode. Oh, mais c'est dur de tirer dessus. Hein. Ok, j'ai réussi à l'avoir celui-là. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ou quoi? Non, c'est bon, il n'y en a plus. Ok, bon, bah ça va. Du coup, on va aller voir la rivière désormais. J'espère juste que la rivière elle est pas trop infestée parce que sinon ça va être une galère. Ok, let's go à la rivière, les abonnés. Hop, on va aller à la rivière. Peut-être que les bruits des armes, ça les a peut-être fait fuir en vrai. Hein. Le bruit des armes, ça les a peut-être fait fuir en vrai. Hein. En vrai de vrai, je pense que moi, ça les a fait fuir. En tout cas, on va tester une grenade dans la rivière avec les piranhas. On va aller voir. Y a plus de piranhas. Y a plus de piranhas dans la rivière. Ah, bah c'est peut-être le bruit des armes qui les a fait fuir. Ok, il y en a un là-bas. Tiens, on va aller tester la grenade quand même. On va la tester. J'ai l'impression que les bruits des armes, ça les a fait fuir. Attention. Non, j'ai balancé la grenade, elle est pas dans l'eau. Oh le gogol, je viens de faire péter la grenade, elle est tombée genre littéralement sur le bord de l'eau. Mais il faudra en trouver, peut-être qu'ils ont bougé de place, peut-être qu'ils sont plus au même endroit. Est-ce qu'il y en a par là des piranhas? Attends, je vais voir. Il y en a pas un seul. Oh oui. What? Il y en a par où? Il y en a où? Tout à droite. Derrière le pilier là. Derrière tout à droite. Attends, où ça derrière le pilier? Ici, attends. Ok, je suis tombé dans l'eau, il va venir me chercher. Ah oui, il y en a un juste ici, attention, la grenade. Wouah, ok, il est carrément pas dans l'eau. Il est dans l'eau. Ok. Il va sauter dans l'eau, ok, le problème c'est que... Non, la tirez pas, faut qu'il retourne dans l'eau. Laissez-le retourner dans l'eau. Mais allez, oh, mais les gars, c'est pas drôle. Il y en a où? Vas-y, montre-moi où est-ce qu'il y en a. Viens, c'est tout au fond. Montre-moi. Ok, c'est tout au fond, on va aller voir. Let's go. Ok, let's go. J'ai balancé dans l'eau. Le problème c'est qu'ils sont plus là. Ok. Ils ont sauté. Wouah, il y en a partout, attention. Ok, attendez, je balance dans l'eau. Allez, attention. Oui. Il va me buter lui. Ok, c'est bon, il est dehors de l'eau. Allez, je les balance. Ok, c'est bon. Non, mais là, ça va pas la tête. Non, mais là, vraiment, vous abusez de ouf. Hein. Vous abusez de ouf. Il reste une dernière grenade à faire péter. Là, on a complètement pété le bord de mer. Bon, en tout cas, les abonnés, on a l'air d'avoir réglé le problème des piranhas pour l'instant. Oh là, il y a un truc chelou ici. Il y a un loup extrêmement bizarre. Ok, on va peut-être pas s'en approcher. En tout cas, les abonnés, j'ai l'impression qu'on a réussi à régler le problème des piranhas pour l'instant. Stop, balancer des grenades, s'il vous plaît. Donc voilà, on a réglé. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps on aura réglé le problème? Est-ce que ça se trouve demain, il y en aura encore plus qui sont venus? Et ben, on verra ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que si cette vidéo vous aura plu, et bien, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous l'avez pas encore fait. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait Invisible Man, il y avait. Waouh,
On va avoir un nouveau problème, j'ai l'impression. Faut le buter, lui, hein. Faut le buter. C'est un toutou. Ok, c'est bon, on l'a vu. Du coup, il y avait aussi MC Logicube. Il y avait Com et DK. Enfin, Com, du coup, uniquement, mais c'était de la chaîne Com et DK. Il y avait. Je crois que j'ai oublié personne. Non, il y avait aussi Zigoto, excusez-moi, my bad, il y avait aussi Zigoto. Donc toutes leurs chaînes sont en description, vous pouvez les checker, voilà, en description. Ils font tous du Minecraft, etc. D'ici là, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, les potes, je vous aime et à très très vite.